Ton père te propose de déjeuner avec toi. Tu vas chercher dans son bureau. D'accord. T'as fini avec les femmes de 30 ans? Presque. Après, il y a le dossier des hommes de 60 ans qu'il faut complètement réorganiser. Je suis désespérée, je sais plus comment faire. Tendeur et misère des courtisanes. Donne-moi vue à une œuvre qui honorera la politique de qualité de l'ORTF. Ils sont en réunion, mais c'est bientôt fini. Des nouvelles de Tchekhov. Vous connaissez Un drame à la chasse? C'est une très bonne histoire policière avec un bon rôle de femme. Et plutôt pour la saison prochaine. J'ai déjeuné avec la mère, ton amie Laure, hier. Elle est inquiète à son sujet. Pour une raison particulière? Elle est rentrée à Paris mal en point. Et elle vit avec un garçon qui ne lui plaît pas beaucoup. Un fils de famille. Elle pense qu'elle se drogue. Tu sais quelque chose? Non. L'autre soir, elle a débarqué chez elle. Elle était agitée, confuse. Rien de grave, mais ça ne va pas s'arranger. La maladie de Parkinson, il n'y a pas de grosse surprise. Je pensais qu'avec les médicaments que tu vas chercher en Suisse, c'était stabilisé. Ça ne se stabilise pas vraiment. Éventuellement, on peut gagner du temps. Tu veux me dire quelque chose de précis? Tu sais, avec mes doigts qui se raidissent, ça devient difficile d'écrire à la main. Et à la machine, ça n'est pas très commode non plus. Il va falloir que tu m'aides. Que je te sors de secrétaire? Tu apprendras le métier. Je t'ai déjà dit que je voulais pas apprendre le métier. Si tu veux faire des films. Pas comme ça.